Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un bunker NBC. Enfin, c'est pas vraiment un bunker, parce que c'est un abri plutôt. Mais il est de normes NBC, donc nucléaire, bactériologique, chimique. Il est en vraiment bon état. Regardez là-bas, il y a encore des cartouches de filtration. Ici c'était plutôt une sorte de télécommunication. Regardez les vieux téléphones ici. This phone is not secure. Là, insécure. Wow, regardez-moi ça, des tableaux électriques. C'est vraiment super impressionnant. Ici, on a une petite sortie de secours. Des trucs pour se rincer les yeux. Partout. Regardez ici, il y a encore un téléphone. My phone is insecure. Il est vraiment en très bon état. Regardez ici, NBC, alarme. Il y a tous les schémas pour les systèmes de contrôle électrique et pour la salle des génératrices qui se trouve juste à côté. Regardez là-bas au tableau, avant il y avait grand câble, safety hook, ça c'est pour l'électricité, flashlight, il y avait une lampe de poche et l'inventaire de ce qu'il y avait. Regardez ici la génératrice par terre, les trucs noirs que vous voyez c'est du charbon actif pour mettre dans les filtres. Et là tout a l'air d'être fonctionnel encore. C'est impressionnant, ici c'est les portes. Regardez-moi ça, les trucs. Puis ça vont encore, quoi. Des grosses portes hydrauliques comme ça. Ici on dirait que c'est un sas de décontamination. Et ici il y a une porte là, et une porte directe ici. Donc à mon avis, juste là où je suis, ben, c'est là que, en cas de guerre nucléaire, c'est ici que les gens viennent se faire décontaminer avant de rentrer dans l'espace juste là. C'est incroyable comme petit bunker. Regardez ici le NATO secret. C'est un petit espace blindé mais complètement vide et c'est tout petit. À mon avis, vous ne le verrez pas à la caméra, mais c'est pas nous là, il est phosphorescent. Regardez-moi ça, la porte. Et le pire, c'est qu'elle voit encore bien, quoi. Et ici, ça sent le diesel. Encore une double porte. Regardez ici, vous avez des générateurs de secours et des générateurs tout court. Et tout est encore là, quoi. Là, il y a des cellules de batterie, elles sont encore là. Regardez les génératrices. C'est impressionnant, ça doit faire assez beaucoup aussi. Regardez, les batteries, elles sont encore connectées pour lancer la génératrice. Deux. En vrai, au cas de guerre ou de problème, bah, c'est vraiment ici l'endroit où il faut venir se planquer. Et quand il y a encore tout, il y a à chaque fois tous les modes d'emploi pour démarrer. Il y a même la clé ici pour le load test. Si vous avez tous les petits nanomètres avec le générateur 7A, générateur 7.2, c'est méga impressionnant. C'est pas très grand, mais... Regardez là, des petits réservoirs de 20 litres. Là, les interrupteurs pour les carburants.
Et les portes, c'est fou comme elles sont grosses, quoi. Regardez à tout qui va en course. Si je veux, je m'enferme, mais personne ne vient jamais me rechercher, quoi. Regardez, si on est dans une autre partie de l'abri NBC. Ici, c'est beaucoup plus vide que l'autre endroit. Mais dans la salle d'à côté, il y a des choses intéressantes. C'est des armoires électriques ou de serveurs. Regardez ici, c'est la réserve d'eau. Et ici, vous avez une douche de décontamination avec l'ancien truc pour nettoyer les yeux au cas de projection dans les yeux. Là, vous avez tout pour ne pas toucher la douche avec vos mains. Il y a une grosse citerne d'eau, sûrement la citerne d'eau de pluie, ou alors de l'eau potable, c'est dur à dire. Cette pièce est impressionnante. Hein. Ici, on arrive dans une autre salle de générateur. Juste là, vous avez encore une toute grosse génératrice comme de l'autre côté. Avec de quoi la refroidir. Vous avez encore un truc pour décontaminer. Pour les yeux. Il y a énormément de trucs pour les yeux, pour les projections d'acide, etc. Ici, le livre là, c'est directement le mode d'emploi pour faire fonctionner toutes les génératrices au cas de besoin. Et comment c'est sonorisé là, on dirait comme dans les studios de youtubeurs, là il y a de la mousse. Bon, elle est complètement morte, quand j'appuie, il y a la trace de mon doigt, mais c'est sonorisé. Et il y a encore là, encore une fois, une batterie dans le fond. Ouais, c'est vraiment super impressionnant, comme petit abri. Et voilà les gars, on va faire le tour de la vidéo ici, juste en dessous de la douche de décontamination. Donc c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais vraiment très intéressante. C'est très intéressant comme endroit ici, c'est vraiment incroyable de voir qu'au final tout est laissé tel quel. N'oubliez pas de laisser votre petit like et un commentaire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde, bye bye.